Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etretat et Gnominou. Salut, salut! Et en fait, ça te vexe pas que je t'appelle Gnominou? Non. Non. Je dis ça comme ça, tu sais. Alors, il faut que le vert monte. Vert monte d'ailleurs, c'est pas un état de. Des États-Unis. Si, je crois, le vert monte, si, si, c'en est un. Les mecs, les gros nuls, quoi. Pim pam poum. Alors, qu'est-ce qu'on se disait? Ah oui, c'est quand qu'on peut assaut? Là, aujourd'hui, on est le jour 7, donc c'est à partir de demain on peut assaut. Demain on assaut, et demain, on a réfléchi à un petit truc, alors ça serait d'aller leur poser une petite TNT sur leur muraille de nuit. Parce qu'on s'est aperçu que la nuit, tous les chats, tous les chats sont gris, mais surtout, c'est un peu l'enfer, quoi. C'est du gros n'importe quoi. Donc si nous, on arrive à percer une faille dans leur muraille, et que, bah, ils prennent beaucoup de temps à fighter contre les mobs, ça peut en plus les embêter parce qu'il faut tout reboucher et tout. Voilà, donc ça peut être un très bon plan. Donc demain, peut-être qu'on aura à faire une autre deuxième belle action, parce qu'il faut dire qu'on en a déjà fait une, puisqu'on a fait cramer leur bibliothèque hier. Voilà. Voilà. Dans l'incendie. Voilà, on va bientôt avoir fini. Ça va être une bonne étape de franchise aussi d'arriver à faire ça là. Après, il va falloir qu'on déplace la salle des coffres. Ah oui, mais attends, jour 8, il va falloir qu'on la déplace très très vite, la salle des coffres, en gros. Ouais. T'imagines, ils trouvent une vieille feinte à la con pour percer notre muraille? Là, on aura vraiment l'air bête, hein, parce que le principe de la muraille, c'est qu'elle est pas accessible. Enfin, c'est que la partie en bas est censée être accessible. Elle est sacrifiable. Oui, bah oui. Donc, si notre salle des coffres est en bas, on a une baba, hein. Je sais. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être commencer à déplacer la salle des coffres aujourd'hui, en haut. À créer un deuxième coffre en haut et... Ouais, parce que là, sinon, on va se mettre un peu en péril. Ça serait dommage que cette saison de Fallen Kingdom... se termine aussi vite. Oh putain. Surtout que la muraille, je suis sûr qu'elle... Elle a des promesses à tenir. Attention derrière toi, j'ai commencé à remplir. Hein. Ah ouais. Il y a plus des trous là. Il y a les torches dedans. Ah ouais. Attends, je vais remettre les torches. Pour le moment, je les enlève pas en fait. Oh les vaches quoi. Et il me reste un stack. Il te reste de la terre toi aussi ou pas? Ah ouais. Bon, ça veut dire qu'on aura fini là. On n'aura plus qu'à attendre. Surtout que là, on a la tête un peu trop remplie. Hein. Comment ça? Ben, sur le donjon, on va le faire descendre de 1 au milieu. Non? Ouais, bon, c'est pas grave. On repètera derrière. Hein. C'est pas non plus. Ah non, j'avais pas vu qu'il en restait tout ce côté-là en fait. Il y a l'enclos des vaches aussi qui sera à refaire. Ouais. Oh les bovidés! Comment ça, t'y? Il me reste... Ah bah j'ai plus de terre. Il me reste 101. Je n'ai plus de terre. T'en as mis dans les coffres ou pas? Non, j'ai toute la terre sur moi. Bon, moi je vais prendre le foin. Est-ce qu'il y a du foin dans les coffres? Non, il n'y a pas de foin dans les coffres. Ah, j'ai des os. Non, on va peut-être commencer pour en tuer des vaches aussi, hein, non? Ouais, bah là j'en nourris pour le moment. En fait, je pense que les vaches, d'après ce que j'ai compris, j'avais cru comprendre quelque part que les vaches, c'était rentable de les tuer à partir de 10 vaches dans l'enclos. Attends, je vais replacer un peu de... Ce que là, c'est... Là, j'ai suffisamment de foin pour reproduire 2 vaches. Elle fait des bébés. Des bébés. Bon. Est-ce qu'on referme un peu de terre ou... Bah, moi je vais le fermer un peu de terre, ouais, moi je peux le faire ça. Je vais peut-être monter la cobble, moi. Ouais, monte la cobble. Peut-être monter le donjon. T'as de la cobble là en bas? Ouais. Un peu. T'en as sur toi ou pas? J'en ai un bloc. Oula, on va aller loin avec ça. J'ai un bloc et je viens de le poser. Ok, je vais moi faire une pelle et... Tu peux me réexpliquer comment tu fais la base du donjon? Bah, je sais pas, en fait on a pas réfléchi.
coup, on va faire ça à l'improviste. Hein. Parce que moi, le donjon, on le fait comme ça en haut, donc tu te creuses de 1. Donc comme ça, ça évite de faire un donjon trop... Enfin, ça évite de devoir poser trop de terre. Donc je crois qu'il fait 11 par 11. On fait 11 par 11 là, et puis voilà. Par contre, là, je vais faire un truc. J'ai l'impression que ça a besoin de lumière, l'herbe verte, pour se propager. Donc il faut qu'on fasse le trou comme ça. Hein. On n'a pas trop le choix. C'est pas grave, hein, on sait. Ah, ouais. Limite, on a besoin c'est de bon, C'est bon, ça a commencé à venir vers là. Ah oui, nickel. Voilà, donc la terre, ça devrait être pas mal. Je vais juste me refaire une pelle. Là, j'ai des petits lags des familles là. Voilà, hop, je vais. Ah, la terre, on n'en a pas besoin de tellement en fait, hein, c'est ça. Hop, le steak, ils sont tous cuits. Je mets les steaks dans le truc. Je vais faire fondre l'or, ce sera fait. On a quoi d'autre? L'argent, on a ce qu'il faut. Tu vois, il faut qu'on fasse monter ça le plus vite possible pour pouvoir mettre la salle des coffres à l'intérieur, quoi. Donc. Qu'est-ce que t'as comme, comme pioche? Là j'ai pioche en diams, pioche en fer. Bah je vais prendre une pioche en fer. Je vais prendre les deux pioches en fer pour aller farmer en bas. Tu veux farmer quoi? Je pense qu'il y a pas trop de choix. De la cobblestone. Ok, bah attends, je vais venir t'aider parce que finalement de la terre je pense qu'on en a suffisamment assez. Bah là je crois qu'on peut. Là on peut se faire une réserve ici. Hein. C'est ce que j'allais faire, je vais t'aider ici. Ça va, on est un peu sur la même longueur d'onde depuis, l'épisode dernier, là, je pense qu'on va, on va bien s'en sortir. Mais ouais, on est un peu tenu par le temps, il faut vraiment qu'on déplace cette salle des coffres. Par contre, je me demande si j'ai pas fait une... Une bêtise ? Ah oui, faut peut-être pas commencer à endommager l'escalier en colimaçon. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Après, tu me diras, nous on s'en fout là pour le moment, on est encore dans la limite des 20 blocs sous la base donc. Bon là. Ok, donc là on descend tech. J'arrive à manger sans me suicider. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive à survivre sans avoir à me suicider pour manger, quoi. C'est beau. Ah, oula. Je suis tombé où là? Ah d'accord, en fait je suis tombé dans le trou de la... Attention, on s'arrête là. Oh les trous. Bon, je crois que tu... Mais eux, pour faire leur truc en cobblestone et tout, je pense que ça doit leur prendre pas mal de... Ah, il y a du fer. Bon, je crois que le fer en a suffisamment. Non, jamais assez. C'est du diams qui nous faudrait. Du diams, il nous en faudrait encore un peu plus. Même si finalement, on a failli se faire avoir en disant, il n'y a pas grand chose comme du diams, mais on a quand même bien pilé. Hein. Ouais, bah la génération de map, j'espère qu'ils ont eu la même de l'autre côté. Hein. Normalement, ça devrait être équitable. Donc, là, j'ai trouvé THE filon de fer. Quoi. Ça rigole pas. Hein. T'as vu ça? J'avoue, ça fait un petit bout de temps que tu... Mais pourquoi il y a de la flotte, là? J'ai creusé dans un truc de flotte. Tu peux pas l'enlever? S'il te plaît? Pas que c'est embêtant, mais... Ah, j'ai éteint la lumière, sans faire exprès. Il faut que... Si, c'est une poche, je peux encore l'enlever. Bon, je pète mes deux pioches en fer et puis on verra ce que ça donne.
Tu veux un coup de pioche en diamant, toi? Ouais, il faut. Hein. C'est vrai que, bon, au niveau muraille, bah, ça va monter. Hein. Bah, après, ce qui change par rapport à un Fallen Kingdom classique, c'est que c'est pas la muraille qui est importante pour nous, c'est plus le donjon, quoi. Parce que c'est dans le donjon qu'on va faire les trucs intéressants, quoi. Je pensais à un moment à faire un chemin extérieur, tu vois, comme ça... Ils sont obligés de se mettre un peu en porte-à-faux pour passer. Ouais. Et puis nous, on a juste à leur mettre une petite claque, même s'ils sont en armure diamant et tout. Même un on a juste à leur mettre une petite claque et ils tombent en bas, quoi. Ouais, ou même un piège, hein. Encore du fer, là. Non, bouge pas, je vais te taper, là. Bon, j'ai déjà deux stacks dans mon inventaire, je sais pas combien t'en as toi, mais... Je crois que j'ai deux stacks aussi. Deux stacks et... Non, deux stacks visibles, hein. Deux stacks visibles, hein. C'est pas non plus dit ce qu'il y a, donc, ce qui reste. Hein. Je suis à deux stacks, bon, deux stacks et demi. C'est sûr, moi je suis désolé aux viewers, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais... Ouais, mais c'est pour préparer la suite, hein. Si on veut construire, il faut bien qu'on trouve les matériaux. Puis après on pourra aller poutrer du zombie. Et surtout de l'équipe adverse. Plus vite on aura terminé, mieux ce sera. Ah, c'est sûr que eux, ils risquent pas de nous assaut très vite. Hein. Bah, en soi. Parce que quand on les a espionnés au tour dernier, ils avaient pas de donjon, il y avait rien qui était esquissé. Je pense pas qu'ils en soient plus loin que nous. Hein. Mais par contre, je pense comprendre maintenant pourquoi il y avait eu Patax qui avait marqué qu'il avait pris un bain dans la lave. S'ils avaient essayé d'aller chercher des sources de lave, ouais, mais ils ont dû pas mal s'embêter. Encore du fer. Ah, il était tout seul le bloc. Non, mais t'as vu les grottes qu'on est en train de faire là? Ah, ça y est, j'ai pété mes pioches. Bon, je vais là-haut pour. Ok, bon, moi je vais te rejoindre alors. Bon, j'avais le temps. Aïe, ouais, je suis là-haut, mais qui est où l'escalier? Le truc côté là. Là, suis-moi. Tu tac, tu montes là. Là. Ah, y'a un zombie là-haut? Non, mais sans déconner. Ah, ouais. Ah, il est bien mort là. Ah, j'entends nos amis les vaches. On doit avoir du blé. Je vais encore les nourrir. Ah, il fait... ouais, ça va être plus un Farmville qu'un Fallen Kingdom, quoi. Bon, on va laisser ce mur là de ce côté comme ça pour le moment. Bah là, on est obligé si on veut que le verre ouais. Si on veut que le verre monte. Voilà. Donc là, on laisse comme ça et puis on va monter seul. Oh les copines! Faites-vous des copains! Je propose de faire des paliers tous les 3 de hauteur. Même plus, non? Ah! Ah oui, il y a un endroit où il y a un trou. Oui, mais c'est normal. Si c'est pour faire monter le verre. Ouais, mais moi je l'ai oublié! C'est ma faute. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Ouais, j'ai foiré. Moi, je vais faire une salle hyper haut. J'ai combien de stacks? 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 stacks. Bon, je vais monter à 12 de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir mettre la salle des coffres ici. T'en dis quoi? Ouais. Par contre, est-ce que t'as une source d'eau qui se balade? Non, mais je peux aller t'en chercher une. T'en veux une? Bah, pour redescendre en fait.
Je vais faire un palier où je suis, non? Déjà là, quand il tombe, si tu tombes de là, ça t'oblige à... Tu dois faire un truc. C'est du grand art, hein. Bon, notre tour a toujours pas explosé, hein. Toujours pas explosé, ils ont toujours explosé. Je suis en train de mourir de faim, là. Ouais, bah j'ai vu. C'est la nuit... On est au milieu de la nuit, là. Hop, voilà. Hop. Bon, normalement, j'ai suffisamment d'armure pour descendre et puis pas me faire mal, mais... Ça m'arrangerait quand même. Tu veux que j'aille chercher de l'eau ? Pas casser mon armure, quoi. Non, mais si tu continues à faire monter les murs, ça devrait pas être un problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux que je te fasse monter un escalier ? Fais-moi un escalier, ouais. Ce serait une idée qu'elle est bonne. Je crois que ça va être interminable cette saison si s'ils font un truc aussi bon que nous en face. Non, attends, parce que là. Bon, moi je compte les vaches pendant ce temps-là. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense qu'on va pouvoir commencer à les tuer. C'est bon, je suis descendu. Descendu ? Parfait. Ouais. Ah ! Toi aussi. Moi aussi. Bon, je pense qu'on va commencer à faire un palier. Ouais, parce que là, ça fait quand même bien mal où on est. Ça peut les achever. On va faire un petit palier ici. Moi, je suis en accès. Tu vois, le principe, c'est de faire un accès aérien comme ça. Donc, à chaque coup qu'on leur met, ils tombent, quoi. Ouais, c'est pas bête. Faire un endroit où t'es obligé de passer l'extérieur, ouais, c'est... Ah, t'as une pioche? Ouais. Tu peux me la prêter, s'il te plaît? Elle est là. Merci. Voilà. Je vais aller refermer un peu de cobblestone parce que j'ai plus rien. Ah, quoique. Ah si, moi c'est encore deux stacks. Non, mais t'as plus rien. Non, à part ça, j'ai plus rien. Il va nous falloir par contre qu'on mette des torches. Hein. Sinon ça va pop sur le toit, sur le premier palier. Je te propose de déplacer la salle des coffres là. T'as mis quoi? Ouais. Ouais. Je vais faire un deuxième coffre comme ça, ça sera fait, non? Je mets juste... Moi je vais nourrir les vaches. Je crois qu'on va pouvoir commencer à se faire des steaks. Bientôt. Ok. Je suis niveau 20, c'est bien. Ah, je suis redescendu niveau 1, moi. Allez, le vert, monte le vert. Ok, je commence à faire le déplacement. T'as un coffre ? Tu peux venir en chercher pour les mettre dans ton inventaire, parce que moi il y en avait trop et j'ai pas pu tout... Je crois que j'ai tout pris. Et là ils attaquent et ils nous tuent. Ils nous font, vous avez pas de salle des coffres, vous êtes morts. T'es où ? Tout en haut. Ah, d'accord, mais t'es tout monté en haut, t'es d'accord. Tu poses le coffre? Ouais, mais avant je veux faire un truc opaque pour pas qu'il voit au travers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on fait juste que d'un côté ça. Enfin, que d'un côté. Pour commencer, ouais.
fait de 3 de hauteur de plafond. Hein. Il me reste encore un stack. Attends, je propose qu'on fasse des fenêtres quand même dedans. C'est bientôt le jour, c'est très bien qu'on le fasse quand même. Ouais. J'ai pas récupéré les coffres. Ah, c'est moi qui l'ai le coffre? Ah oui, c'est moi qui l'ai. Vas-y, je te laisse les poser. On va les poser où? On les pose. Là, il est vers en face. Pose-les au fond, le plus au fond possible, parce qu'on pourra faire des salles intermédiaires. Vas-y. Là, ici. Ouais. Alors, attends, je pose tout ce qu'il y a dedans. Bon, je pose tout, je reviendrai refaire le tri après. Hein. Ok, en plus on a dit le cut, je suis à poil, j'ai plus rien sur moi, tout va bien. Ça, je vais le laisser. Mais on commence à entrevoir un peu comment va fonctionner notre forteresse, c'est bien. Ouais, Donc carrément, là, je pense que s'ils arrivent d'en bas, ils risquent d'avoir une sacrée surprise. Donc sur ce, bah à la prochaine et puis ciao ciao tout le monde! Ciao!